Sambeli,
Allons ensemble à la fossée. Notre Père, notre Dieu, tu es le Père des orphelins, et je te prie de t'occuper de ces enfants qui t'appartiennent. Tu les connais tous, et tu les connaissais avant qu'ils ne viennent au monde, et tu connaissais ces jours. Et ma seule prière est que tu sois leur Dieu, et que ces enfants marchent dans la crainte de ton nom. Comment tu vas les rencontrer, je ne sais, mais fais-le pour ta gloire au nom de Jésus. Tu le bénis et tu me fais du bien. Bénis, Seigneur, l'auteur de cet acte. Bénis la personne qui s'occupe de ses enfants et permet que, Seigneur, qu'il puisse prendre soin d'eux et qu'il le conduise dans le droit chemin et dans le chemin de la vérité. Amen. En ton nom, je prie et je dis Amen. Amen. Pour donner raison au pasteur Zambé Azakaka Moko. Ma commune est dans la boucle et Utikaka Painaye. Donc, coïncidence est dans la carte. Moukanda na biso a lobby que na koutio orphelin, mais na guideo na tikiote. Alors, le pasteur a dit que le bango a confirmé. Et s'il vous plaît, alors, le lot Bossepela Koyamba, papa Philippe, n'a groupe n'aille. Bien vrai que Bazana ba occupation na bango e belé mais période au to komi bien vrai que bino bolobi que boza batu à Noël était mais quand même ata Noël était toujours vivre kaka avant Noël to vivre kaka après Noël be vivre go continuer kaka chaque jour les kaka fête ozala ki lobi le lo nzambe ala ki sio le lobi les kaka fête. L'objet de la monnaie est fait. On l'a mis bien. Alors, on a tant de bien. On a un bon côté. On a un hôpital. Et la monnaie est fait. Elle est fait. Ok. Alors, on a un fait chaque jour. Donc, Bakan Sibino. Alors. Baeko s'est manifesté. Denge bino moko bozo mon. Ezambala liboso, mais inshallah ekozalambala ya sukate. Donc en contrepartie bango baza na besoin ya eloko moko pa na binote. Sauf ba monake bosepeli na acte wana. Bosenga nzambe na bino. Oya za tatana bino ke apambula bi bango alors musana bango pe ekende liboso santé na bango ezala bien tout le temps makamonyozo bako bandela na mokili ezala na succès oyoki madana beze wala kaka ne chaque fois que vous sentez. Eh silence. Bandeko, mbote na biso. Mbote! Bino kozali bana, oyo Kongo eboti. Na yango, denge papa pasteur Outeko Loloba, nous avons l'obligation, en tant que parents, ya komeme la bino, moi mouke. Mouke, to meme li bino, et ça pour esonga bino, peut-être mikolo misa, peut-être un mois. Nous sommes au dépend de la gestion. D'ailleurs, nous avons tous les moyens de nous faire. Surtout, nous avons
yango en contrepartie va préparer enveloppe Oyo. Oyo n'a pas remettre à papa responsable, papa Bouda. C'est fait là! Merci pour l'accueil et puis surtout on a remercié pasteur Doris Kendi pour l'accompagnement. Merci beaucoup. C'est quoi votre sentiment aujourd'hui au centre de la fondation Kabola Liba est venue rendre visite pour fêter la fête de Noël en bonne et Vraiment, on est vraiment joyeux de tout ce que vous êtes venu nous rendre visite parce qu'on n'attendait pas à ça. Tant que vous êtes venu nous rendre visite, que le bon Dieu vous rajoute encore de tout ce que vous êtes venu nous faire aujourd'hui. Depuis que cette année a commencé, il y a eu déjà quelqu'un qui est venu vous rendre visite pour faire ce genre de gestes dans votre fondation? Non, pas encore. Pas encore. Mais moi, je suis ravie. À part de la fondation, nous nous remercions beaucoup de tout ce que vous êtes venu nous rendre visite. Pour la visite, il y a la fondation Kabola Liba va saluer la fondation. Ok. La bande. Merci. D'abord, nous avons fait notre choix de cette fondation pour la simple et unique raison qu'elle renferme à son sein
plus de 120 enfants abandonnés qu'on appelle les orphelins. Donc devant ces nombres aussi importants, il était donc clair que notre choix soit directement porté vers la dite fondation. Mais concernant l'objectif poursuivi, c'est un message fort que nous donnons à ceux-là qui ont aujourd'hui, ceux-là en français, nous disons les détenteurs de pouvoir, que le Congo de demain, c'est bien évidemment cette jeunesse. Cette jeunesse qui, lorsqu'elle n'est pas encadrée, elle n'est pas orientée, elle devient une bombe à retardement. Et donc nous pensons que la jeunesse qui est aujourd'hui dans cette fondation et que nous appuyons, elle sera véritablement une jeunesse responsable. Et nous profitons pour dire que c'est le moment où tous les Congolais doivent prendre conscience de faire le choix et le meilleur. Des bons dirigeants, de ceux-là qui vont penser aux autres dans une redistribution des richesses telle que les stipule l'article 58, pas de détourneur de richesses des deniers publics, mais ceux-là qui sont véritablement engagés à servir le pays et son peuple. Et l'enrôlement commence. Je mobilise tous les Congolais qui veulent le changement, le vrai changement, à pouvoir s'enrôler et voter des gens intègres que nous sommes, parce que je ne peux pas me reculer non plus. Je crois que l'œuvre que j'ai commencée, je dois aller jusqu'au bout. Donc je veux solliciter leur suffrage et je les invite de s'enrôler massivement. Mais je ne peux pas terminer sans féliciter l'autorité suprême de notre pays qu'on appelle le commandant suprême pour le sens élevé de partage de la redistribution de richesses en ce qui concerne la formation fondamentale. C'est-à-dire, il a pu prendre en considération la jeunesse et nous lui jetons des fleurs par rapport à ça parce que cette jeunesse sera formée dans 10 ans à venir et elle sera compétitive. Nous ne pouvons pas non plus oublier sa détermination à donner le soin de santé primaire, universel comme on dit. Et nous pensons que la concrétisation de ce projet sera aussi une manière de partager. Nous disons Kabolalipa, il faudrait que tous les dirigeants comprennent qu'on ne peut pas construire un immeuble à côté d'une population qui vit dans la pauvreté la plus noire. Il faut créer la richesse, il faut créer des entreprises, engager les parents qui ont des enfants pour que ce dernier ne subisse pas seulement les maladies, des tensions et qu'il meure en abandonnant leur progéniture. Un message pour la Noël parce qu'il s'agit aussi des enfants. Ou bien évidemment, c'est d'ailleurs la fête des enfants. Jésus est né, le Rédempteur est venu au monde et nous pensons que tous les enfants de Lukunga, de Kinshasa, de Barumbu et partout ailleurs, je tiens à présenter mes voeux le meilleur de santé, de prospérité et surtout de bonne croissance parce qu'il s'agit des enfants. Donc voilà le message que j'avais à donner par rapport à l'événement d'aujourd'hui. Merci.